J'introduis cet épisode tout d'abord, donc je peux l'introduire proprement parce que celui-ci, je sais quand il commence, c'est donc l'épisode 5 de la saison 1 des Dés sont jetés. Bienvenue à vous. Je tiens tout d'abord à remercier l'accueil que vous avez fait. Pour l'instant, l'épisode 2 n'est pas encore sorti à l'heure actuelle à laquelle on tourne. Mais il y a un très bel accueil pour l'épisode 1. Vous êtes déjà plus de 100 abonnés sur la chaîne. Et on a dépassé les 300 vues sur l'épisode 1. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne, à lâcher des petits commentaires, des pouces vers le haut. Et puis, évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir donc sur Twitter, Instagram, sur Discord également. Le tout est dans la description. Voilà. Du coup, pour commencer cette séance, on avait Kratel et Mibi qui étaient déjà arrivés à la taverne, à l'auberge, pardon, donc du Bourdon Cogneur, au Bourdon Cogneur, où il y a un petit peu plus d'ambiance depuis que vous êtes arrivés, puisque des gens en plus sont arrivés dans l'auberge hein, pour commencer à se restaurer, etc. Vous n'avez pas encore signe de vos camarades, vous ne les voyez pas pour le moment. L'ambiance est plutôt calme, plutôt douce. Vous voyez qu'il y a deux personnes pour s'occuper des clients. Hein. Donc à savoir le barman que vous aviez vu et une dame qui sort des cuisines derrière. Et au bout d'un moment, alors que on vous a servi vos deux laits de chèvre, vous avez eh bien Eldebaf et Mayal qui rentrent dans l'auberge. Eldebaf et Mayal, vous êtes un petit peu en retard par rapport à vos camarades, vous êtes un petit peu promené avant de vous dire « Bon, bah c'est l'heure, on va y aller. » Qu'est-ce que vous faites ? On les cherche du regard déjà, voir s'ils sont bien dans la taverne, dans l'auberge. Mayal, tu vois quelque chose ? De mon 70 cm de haut, je vois pas grand-chose, moi. Mais... Attends, je te porte. Et là, tu vois quelque chose ? Là, droit devant. Okay, alors je vous aide, c'est pas trop compliqué parce qu'ils se sont mis plutôt près de l'entrée sur une petite table à deux là tranquillement. Donc vous les retrouvez ici tout simplement. Ah. Là, ils vous font un petit signe et vous pouvez vous asseoir avec eux. Vous installez. C'est toujours assez calme et assez rapidement, une fois que vous êtes installé, eh bien bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir. Au Bourdon Cogneur. J'espère que vous avez fait bonne route et que vous passerez un agréable moment parmi nous. Alors, vos camarades se sont déjà installés. Ils nous ont dit que pour vous, ce serait probablement une bière. C'est oui. Ça ? D'accord, très ça bien. Ça dépend, c'est quel type de bière ? Ah, alors, ouais, nous travaillons avec un brasseur nain qui est installé dans la ville, proche de la place de la Tour des Mages. C'est également un forgeron. Hein, et il brasse... Ça me parle, tout à fait. Ça vous parle, vous le connaissez. Ah, eh bien, du coup, vous devez connaître sa bière. Hein, il brasse une bière brune. Vous m'en mettez une bonne pinte, mon brave. Eh bien, une bonne pinte pour... ce cher monsieur des montagnes, et vous, ma petite, qu'est-ce que ce sera ? Un petit jus de fruits, peut-être ? Bon, bah, je vais prendre une bière cette fois, parce que je me suis fait refouler des boutons, j'ai envie de boire une bière. Alors, tu le vois qu'il te regarde d'un air un peu étonné. Il regarde les autres à table pour voir s'il y en a un qui a l'air de s'étonner ou de faire une tête un peu bizarre. C'est de l'éducation, bon. Vous pouvez pas comprendre ! Bon, eh bien, une bière pour la jeune fille. Voilà. Très bien. Et pour manger, donc vos camarades ont choisi donc le ragoût du jour. Est-ce que ce sera la même chose pour vous, peut-être ? Y a quoi dans votre ragoût ? Eh bien, dans notre ragoût, il y a du porc élevé dans une ferme non loin d'ici, et puis des petits légumes, un jus, voilà. D'accord, c'est du commerce local, quoi. C'est des circuits courts, j'aime bien. Oui, bon, ouais. Donc un ragoût. J'en prends un. Ok, moi, deux ragoûts peut-être. Non, une soupe, moi ça ira s'il vous plaît. Une soupe, alors nous avons une soupe de potiron si cela vous dit. Très bien, parfait. Merci à vous, bonne soirée. Nous vous apportons cela dans un instant. Hein. On n'a pas demandé les tarifs d'ailleurs. Kratel, Mibi, vous aviez fait un... Vous aviez pu demander Il me semble, oui, c'était pas excessif.
Okay. Une fois qu'il a parlé à celle qui semble s'appeler Guimela et qu'il surnomme affectueusement ma chérie. C'est comme Gwyness, la dernière fois c'était Gwyness. Ah oui, c'est très très bon ça. C'est un peu comme pour les animaux, quoi. C'était l'année des G, j'imagine. Oh le salaud. Et il repart donc au bar, préparez vos boissons, tandis que sa femme donc pose un plat donc sur la table qui est juste à côté de vous, avant de repartir par la petite porte qui est derrière, hop, et de disparaître par cette petite porte. Et donc au bout d'un moment, le patron qui revient avec vos boissons et qui vous dépose donc une bière à gauche et une autre bière à droite, voilà. Bon, par souci d'équité, il vous a mis une pinte à chacun, mais il regarde Mayal d'un air un petit peu inquiet au moment où il pose la pinte. Voilà, il sait pas trop ce que ça va donner. Bon, bah... Il y a pas de soucis, un estomac pour boire et un pour manger. D'accord. Et il y a un poids pour chacun aussi. Ok, eh bien, profitez bien. J'espère que ce moment sera agréable pour vous. À plus tard. Merci. Et il repart, donc, s'occuper d'autres clients. Vous voyez que dans le fond... dans le fond à gauche, il y a des miliciens que vous reconnaissez à leur uniforme qui sont posés là et qui semblent être avec un milicien ou un soldat qui est venu d'une autre ville puisqu'il arbore d'autres couleurs et qui échange cordialement autour d'une bière également. Alors, okay. on va entamer une des petites choses que je voulais mettre en place avec vous dans ces moments de convivialité de groupe. Je vais lancer un des quatre avec un chiffre donc qui va correspondre à chacun d'entre vous. En 1, ce sera Eldebaf, en 2, ce sera Mibi, en 3, Mayal et en 4, Kratel. Selon le numéro sur lequel cela tombera, je vais demander à celui dont le numéro sera tiré d'improviser une petite anecdote sur son personnage qu'il va narrer à ses camarades autour de vos boissons, de votre souper, pour passer le temps et apprendre un peu plus à se connaître. C'est bon, vous avez bien ça en tête, c'est bon ? Ok. Alors, c'est parti. Compliqué ? Ah bah, il faut improviser. Et c'est un 1, c'est donc Eldebaf qui, porté par l'énergie de sa bière, va donc nous narrer une petite histoire. Elle est vraiment bonne cette bière. Ça me rappelle ma ville, ma petite ville où justement on faisait de la bière naine de la même qualité. Hein. D'ailleurs, c'était vraiment une bière top du top. Notamment, j'ai commencé à en boire. Moi, j'avais quoi, peut-être 5 ans à l'époque. Enfin bon, on m'a dit qu'on m'avait élevé au biberon avec ça. Mais bon, je pense que mes premiers souvenirs, c'était 5 ans. Avant, je devais être trop bourré pour vraiment me rappeler de ça. Le temps que mon foie vraiment se constitue et arrive un petit peu à absorber ce surplus d'alcool. Hein. J'avais vraiment des très très bons parents. Vraiment, rien à redire sur l'éducation. C'était une bonne éducation naine. Bref, oui, donc mes souvenirs, quand j'avais 5 ans, une grosse cuite. Hein, donc, la première dont je me rappelle, en tout cas. Avec un oncle à moi, il avait un genre d'habit de tavernier, sûrement parce qu'il était tavernier d'ailleurs, maintenant que je m'en souviens. Il y avait sûrement un lien avec ça, mais bref, j'étais trop jeune et trop con pour m'en souvenir, et sûrement un peu trop bourré aussi. Et on avait commencé à parler toute une soirée sur apparemment un monstre des profondeurs. Je pense que c'était un peu des comptines pour enfants où il me parlait d'un monstre que si on creusait trop profond, il risquait de se réveiller, je sais pas quoi. J'ai jamais trop compris, mais bon, du coup, moi je m'étais mis en tête de le trouver, ce monstre. Alors j'avais commencé à creuser, et puis j'ai fini par trouver un genre de grosse pierre ronde un peu brillante qu'il appelait le Stone Arcane, qui était franchement pas mal d'ailleurs. C'était un truc, mais bon, il m'avait dit que ça valait rien, donc il me l'avait prise, et puis je l'ai jamais revu, ce bidule là. Mon oncle non plus, d'ailleurs, je l'ai jamais revu, maintenant que j'y pense, c'était bizarre. Je crois qu'il s'est acheté un château ou je sais pas quoi. Je sais pas d'où il a eu tout ce pognon. Mais du coup, ouais, bref, c'était vraiment une très bonne soirée parce que il m'avait raconté des bonnes histoires et puis c'est une bonne soirée aussi parce que c'est finalement la première dont je me rappelle, quoi. Ça joue beaucoup. Voilà. Ok. J'ai plusieurs questions. Et je n'ai aucune réponse. Très bien, bon, bah tant pis alors. Mais vas-y, hésite pas à me demander, hein, si jamais t'as besoin. Alors attends,
Stone Arcane ? Oui, ouais, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Mais bon, c'est une langue naine, alors bon, moi, par la bière naine, finalement, je suis pas un littéraire, quoi, je suis un forgeron. Hein. Je vais me noter ça pour plus tard, de recherche personnelle. Ok, très bien. Et je me demande s'il serait pas temps de reprendre contact avec ce fameux oncle, non ? Histoire d'aller faire un petit tour au château. Ouais, ouais, de toute façon, il possède plus ou moins toute la montagne, hein, de ce que j'ai compris maintenant, donc sûrement un fin financier, cet oncle, Il va falloir que je m'arrange avec cette histoire à la cour maintenant dans les, les scénarios. Et ouais, j'ai de la famille au placé maintenant, bim. Je viens de me mettre un oncle super riche dans mon background. Sachant que tu es potentiel héritier, donc on peut essayer de... Oui, merci d'ailleurs Maya de me le rappeler. Effectivement, je suis seul héritier en plus. Hein. C'est une sale affaire. Vraiment compliqué. Hein. Tous les fils héritiers ont disparu mystérieusement, empoisonnés avec une dague dans le dos. Non, vraiment, des suicides. Empoisonnés avec une dague dans le dos. Ouais, la dame était empoisonnée. Ah oui, c'est ça, voilà, mais ça arrive. Hein. Tu coupes ton bout de pain et puis hop, ça rip et puis hop là, dans le dos. Puis pas de bol, c'est un coup d'empoisonné. J'ai vu plus d'une fois ce genre d'affaires, ouais, c'est terrible. Ouais. Ah oui, en tant qu'enquêteur, t'as sûrement dû, voilà, effectivement, résoudre des mystères comme ça. Et à chaque fois, c'était un suicide, hein, c'était suicide à chaque fois, hein, c'est ça. Faudra qu'on en parle à un moment, mais... Passez ça, hein, vous en venez quand même à échanger sur ce que vous avez fait dans la journée, hein, quand même, parce que rappelons que vous étiez là pour chercher du boulot et chercher un moyen de vous faire de l'argent. Maintenant, on tue une mage, c'est bon. Ouais. Pour la continuité de l'aventure, on va dire que je le connais plus très bien, cet oncle. Hein. Voilà, faut pas compter trop là-dessus. Voilà. Et qu'il faudra que tu fasses gaffe quand tu découpes du pain, éventuellement. Bon, alors de votre côté, comment ça s'est passé ? Ah bah alors nous, on a embouteillé de l'hydromel. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Ça m'était sorti de l'esprit, ce truc-là. C'était il y a une heure, quand même. Oh. Oui, ah, mais c'est vrai, oui, mais... non, mais si tu te souviens, on l'a un peu goûté aussi, cette petite hydromel. Toi aussi, t'as bu 4 ou 5 bières entre-temps, quand même. Hein. Ouais, moi, j'ai le foie détruit par mon enfance. Hein. Je sais pas si tu viens de le goûter. Ce que je vous propose, c'est de faire ça dans l'ordre chronologique. Chrono-quoi ? dans le sens où ça s'est passé. Ah, bah dis-le tout de suite, au lieu d'inventer des mots, là. En fait, toi, il te faudrait une échelle temporelle alcoolémique. C'est quoi ? Ouais, voilà. Alco quoi ? Il était une bière moins 20, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, voilà. On est allé mauvais et ça a commencé déjà avec la bière le temps de midi, tu vois. D'accord. Ouais, on peut commencer par la première auberge où on est allé, mais je te laisse raconter si tu veux, Mayal. Eh ben, on a mangé. Dans une auberge ? Oui. Bon, elle était pas ouf, hein. Nous, on a mangé dans la rue. Mais les fruits, c'était un peu pourri. Mais c'est une pièce. Ils avaient pas de bière non plus. Ils avaient de la bière blonde couleur pisse, jaune pisse. Vraiment, vous voyez une pisse un peu. Bah voilà, c'était ça. Avec des fruits un peu pourris et puis des dockers partout. Parce que c'était sur le port, du coup. On était ok, exactement. Mm-hmm. Après on a entendu une rumeur comme quoi il y avait un entrepôt, l'entrepôt Modric, qui s'était fait voler une cargaison. Et ils cherchaient en fait du personnel pour faire de la surveillance de nuit en fait sur cet entrepôt, donc qui est toujours sur les quais. Donc nous, on s'est un petit peu rapproché du tavernier qui nous a indiqué la direction. On s'est dirigé vers cet entrepôt où on a rencontré un gnome. Un gnome, alors j'ai repris le nom parce qu'il a un nom très intéressant. Berinilius Paprilli Giradri Justarum. Voilà, très exactement. Il nous a dit, vous m'appelez-moi Brin. Hein. Brin, c'est très bien. Donc on est parti plus sur cette option. Qui nous a dit que c'était un job pour 2 à 4 personnes. Ça tombe comme plutôt bien. Comme on était déjà un groupe de 2 et potentiellement de 4. Alors la dame intervient pour vous apporter les ragoûts et la soupe. Hein. Voilà. Merci mon brave. Merci bien. Alors je suis une dame, hein. Excusez-moi. Mais... Merci bien ma brave. Et alors les dames aussi peuvent être braves. Ne vous diminuez pas madame, ne vous diminuez pas. Oui mais vous avez dit mon... Oh. Sa langue arrive. Un lapsus. Bon, bon appétit. il y a un silence au quart. Quoi ressemblent les femmes chez eux ? En même temps, c'est bizarre de voir une femme aussi grande avec de la barbe. D'habitude, c'est plutôt des naines, quoi.
T'as de la chance, elle est sortie avant. Qu'est-ce qu'on a dit remarquer déjà? Oui, oui, ça y est, nous, je crois qu'on va payer un petit peu plus que les autres, bizarrement. Donc, vous aviez rencontré ce gnome. Voilà, exactement. Donc, il nous a dit revenez ce soir, voilà, que vous soyez deux ou quatre, voilà, il y a du taf pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, on est attendu ce soir à ce fameux entrepôt au niveau des quais pour faire une mission de surveillance. Très bien. Et tu disais, Mayal ? Qu'il peut y être à la nuit tombée, donc par contre, on bavarde, mais je sais pas quelle heure il est là. Bah, il reste encore à peu près une heure avant que la nuit tombe. Rappelons qu'on est l'été, donc ça tombe assez tard. Voilà, la soirée est plutôt douce et longue, donc voilà. Donc bah, suite à ça, donc on est parti de cet entrepôt. Entre temps, effectivement, on a travaillé dans une cidrerie. Non, merde, c'était quoi ? Hydromellerie. On a mis en bouteille de l'hydromel. On s'en est effectivement servi un petit peu au passage. On a gagné quelques piécettes suite à ça. J'ai aucun souvenir de combien. J'espère qu'on s'est pas fait arnaquer. Je crois que c'était les deux pièces d'argent ou quelque chose comme ça vu qu'on a fait la demi-journée. C'était en pièces d'argent, oui. Oui, c'était bien payé. Hein, C'était une rémunération en pièces de cuivre. Franchement, c'était mal payé. Hein. Franchement. C'était en pièces de cuivre, c'était par jour et par personne. Et comme du coup, vous étiez deux, mais que vous n'aviez fait qu'une demi-journée, vous aviez été payé comme si vous aviez été une seule personne sur une journée entière. Donc à savoir 6 pièces de cuivre. Voilà. Bon, ça remboursait le repas qu'on venait de faire à la taverne. Et on vous a fait goûter l'hydromel. Donc on a fait ça. On avait aussi une quête, mais qu'on n'a pas pris sur des loups qui embêtaient du voisinage. Oui, une quête. Enfin, on avait aussi une mission. Voilà, on va essayer d'être un peu plus roleplay. Et bref, il y avait aussi une histoire de loups, pour votre info, autour de la ville qui pose problème à divers paysans. Mais que nous, voilà, pour l'instant, on ne s'en est pas occupé. Mais voilà, à l'avenir, ça peut être quelque chose. Ça peut être un travail aussi. Et puis après, non, on est venu vous rejoindre au Bourdon Cogneur. On est quand même passé sur une la place de la Tour du Mage où il y avait tout un plein de marchands qui étaient justement à montrer leur création, leur talent d'artisan. C'est là justement que j'ai rencontré des nains dans Forgeron qui faisaient également la bière que nous sommes en train de boire ce soir. C'était une très bonne rencontre. Et toi, Mayal, je sais plus ce que tu faisais. Moi, j'ai fait un petit peu les boutiques. Il y avait une super boutique de petits objets chinés de magie et tout. Et par contre, on m'a pas laissé rentrer. Donc j'ai fait du lèche vitrine. Non mais il laisse rentrer personne dans cette ville. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y retourner. Oui, parce que j'aurais besoin de garde du corps, parce qu'à mon avis c'est le fait que je sois là, ils n'ont pas trop aimé. Ah mais s'il y a de la magie, compte pas sur moi. Oui bah tu retourneras au forgeron, c'est pas grave. Voilà, ouais, moi je vous fais garde du corps jusqu'à la place, et après là où il y a vraiment de l'action, tu te démerdes. On te mettra à la garderie. Garderie humaine. C'est comme ça qu'ils gardent les enfants tranquilles. Hein. Ils les font picoler et puis après ils bougent plus. Nickel. C'est comme ça que j'ai été élevé. Rien de tel que le coma éthylique. Et je suis devenu une personne respectable. Mais regardez, ils sont calmes, ils sont en train de faire la sieste. il fait des bulles lui aussi, non? Très bien, donc du coup, vous nous avez rejoint après ici. Voilà, c'est ça, c'était nos aventures de l'après-midi. Et vous, qu'en est-il? Vous rendiez, je crois, au bureau de la milice pour rendre visite au capitaine de la garde de la ville, qui est de mes connaissances, pour essayer de voir si on pouvait éventuellement lui filer un coup de main. C'était tout nul. Mais il était clairement dépassé par la situation, il avait 10 millions de trucs à gérer en même temps. Du coup, il nous a renvoyé vers l'auberge de l'Adepte Recalé pour aller rencontrer un marchand d'objets rares qui s'est fait dérober un artefact et qui donc avait besoin de notre aide pour le retrouver. Surtout que sa chambre était complètement au bazar, les humains ils savent vraiment pas tenir leur maison. Clairement. Regarde pas derrière. on a fait le tour de l'auberge, donc auberge UP hein, quand même, plutôt très grosse qualité, pour voir un petit peu ce dont il était question. On a entendu parler de l'effraction à l'entrepôt Modric aussi, donc il y a peut-être des chances pour que ça se recoupe, donc la mission de surveillance tombe plutôt bien. Quelle aubaine, n'est-ce pas?
Et donc pour ce qui est de Miklos, donc avec son, donc c'est une corne dorée. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet artefact là, qui viendrait du nord. Et donc ce qu'on a pu découvrir, alors personnellement je trouve qu'il est extrêmement louche, Miklos. Je pense qu'il nous cache des informations parce que il a l'air de fricoter avec avec la pègre, hein, parce qu'il a, il a l'air d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de relations. J'ai du mal à croire que j'ai du mal à croire qu'il soit complètement propre sur lui, mais bon, il cache bien son jeu. Ouais, il est mi-close, il est moitié fermé, quoi, de ce que je comprends, quoi. Par une langue étrangère que je ne connais pas. Tu connais son cousin mi-open, non? Ah, là, c'est ça, il dit pas tout. Et donc, on a noté que sur l'auberge, on avait un symbole qui correspondait à un signal de la, alors, d'une guilde des voleurs de la ville, enfin de la région, à savoir les abeilles de Joraïka. c'est pas très... très bien, les abeilles de Joraïka. Joraïka, ouais. J-O-R-E-Y-K-A, avec un espace entre le Y et le K. Et donc ouais, les guildes des voleurs apparemment se mènent une petite guéguerre entre donc les abeilles de Joraïka qui sont les nouveaux en ville et les colporteurs qui sont plus anciens et qui eux fonctionnent en mode on vous taxe et puis ce que vous nous payez, enfin si vous nous payez, on vous cambriole pas, grosso modo. Les abeilles de Joraïka ont l'air d'être un petit peu plus agressives, donc ça met la ville dans tous ses états. C'est aussi pour ça que le capitaine de la garde nous a confié l'enquête, parce qu'il a plein de trucs à gérer par rapport à tout ça. Voilà, on s'est dit que vous, de votre côté, vous auriez peut-être des informations complémentaires qui arriveraient coïncidemment avec tout ça. Je pense que l'entrepôt pourrait être une coïncidence quand même. Est-ce que vous avez vu un symbole sur l'entrepôt qui ressemble à ça? Et je dessine l'espèce de d'œil qu'on a vu... C'est donc une flèche vers le haut, dans un rond, dans un losange. Voilà, exactement. Ça forme une sorte de d'œil, plus ou moins, en fait, le losange avec le cercle au milieu, ça fait comme une sorte d'œil, et il y a un petit symbole au milieu où c'était une flèche vers le haut. Et vous, de votre côté, sur l'entrepôt, vous n'avez pas fait attention à ça, ou vous n'avez rien remarqué de ce type-là? D'accord. C'est le symbole. C'était eux les voleurs qui se soient fait voler aussi. Bah, il semblerait effectivement que c'est une possibilité. Après, les colporteurs, donc l'ancienne guilde, a l'air d'être plutôt, je vais pas dire pacifiste, mais traditionaliste. Ils ont pas l'air de vouloir être très agressifs. Mais les abeilles de Joraïka, pour l'autre coup, de ce qu'on m'en a dit, si j'ai bien retenu, a tendance à quand même vouloir prendre du terrain de façon très agressive. Ah, mais ils volent surtout les riches, les abeilles, non? Ouais, ils sont sur du ils sont sur du gros bonnet, comme on dit. Du gros bonnet, du recel, etc. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils signalent en gros les cibles grâce au symbole. C'est ce que m'a dit le capitaine. Le symbole dont on vous a parlé. Ce symbole-là signale vraiment, là, il y a une cible. Derrière, ils vont chercher et ensuite, ils font du recel. Donc si on trouve ce symbole ce soir à l'entrepôt, ça veut dire que c'est les abeilles responsables. Probablement. Et s'il n'y a pas, ça veut dire que c'est peut-être un truc des colporteurs, mais à ce compte-là, est-ce que ce qui a été volé appartiendrait pas aux abeilles de Joraïka, puisque elles se... Enfin, voyez le... Oui, ce serait de la représailles. Le truc, c'est que on n'aura sûrement pas les moyens d'agir sur les abeilles ou sur les colporteurs directement, mais si on récupère suffisamment d'informations, ça permettra à la milice d'agir, et donc du coup, ça nous permettra aussi sûrement de remplir la mission que Miklos nous a confiée indirectement, donc on aura peut-être une chance de récupérer quand même un beau pactal, parce qu'il nous promet de la pièce d'or, hein, et pas de la... Ah, pas qu'un peu. C'était 6 ou 8, je crois. 10. 10, ouais, voilà. Voilà, donc il y a quand même intérêt à le faire. Après, la corne dorée, ça a l'air d'être un artefact assez important. Il n'a pas été capable de m'en dire plus. Il sait juste qu'il a été missionné par un marchand de Tarascon pour la récupérer. Mais il a quand même, pour la récupérer, il a monté une expédition complète. Avec mercenaires... ils vont la chercher où, du coup, leur corne dorée? C'est quoi leur piste? Alors, lui était allé la chercher dans le nord, si mes souvenirs sont bons. Il avait monté une expédition pour aller récupérer ça dans un temple perdu, quelque chose comme ça. Ouais, avec quelque chose comme une semaine ou deux d'expédition. Et ensuite, là, il était en plein voyage vers le sud pour aller la ramener au marchand de Tarascon, qui l'avait missionné pour aller la récupérer. C'est dans l'auberge de l'adeptre Calais qu'il s'est fait, il se l'est fait voler. Pas de bol. A priori, le voleur est venu de l'extérieur de l'auberge. Voilà. Ok. Mais on n'a pas plus d'infos que ça. Il n'y a pas eu de. Enfin, à part la trace d'effraction sur la vitre depuis l'extérieur, on était clairement sur un fantôme. Enfin, en tout cas, il y avait un. C'était préparé, quoi. Il n'y a rien qui nous fait des.
Non, oui, effectivement, t'as plutôt bien résumé. Il y a un élément que t'as oublié de rappeler, c'est que vous avez trouvé un morceau de gant aussi sur dans la chambre. Voilà. Un morceau de gant un peu. Tous les gens qui ont qu'un seul gant. C'était du tissu bleu foncé, c'est ça, hein ? C'est exactement. Ouais, comme quoi j'ai. Oui. Ok, et ça pourrait être un gant qui pourrait appartenir à, je sais pas, au à voleur probablement. Ouais. Non, là, plutôt, enfin au voleur précisément, puisque si je me souviens bien, il était un peu taché de sang aussi, il s'était coupé sur la vitre. Ouais, c'est ouais, il était accroché à un morceau de la vitre et il était un peu taché de sang, effectivement. Ouais, donc bon voleur, mais pas si bon voleur, quoi. Ouais, et puis il est peut-être parti sûrement un peu précipitamment parce que, tu vois, en se coupant, en laissant des trucs comme ça derrière lui, il devait être un peu dans l'urgence. Ouais. Faire un test ADN. Alors, sachant que Miklos vous avait dit que dans l'affaire, il s'était fait voler lui également l'équivalent de 100 pièces d'or, je crois, un truc comme ça qu'il avait dit. Oui, qui était dans son coffre avec la corne. Mais pour le, mais il s'est rien fait voler d'autre. C'était vraiment, enfin le vol. Alors certes, la chambre était en bordel, mais une fois que le coffre a été ouvert, il y a rien d'autre qui a été touché. C'est-à-dire que la personne qui est venue pour prendre ça a pris, était là pour ça. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Donc moi, je pense que là, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'aller à l'entrepôt pour essayer de repérer un peu les lieux, repérer éventuellement d'autres symboles des abeilles, et puis on verra comment la nuit se passe. Après, on aura peut-être de nouvelles pistes parce que. Le truc, c'est qu'on a fait le tour de l'auberge et on n'a pas plus d'éléments que ça maintenant sur les abeilles ou sur la nature du vol. Mais ce serait vraiment bien qu'on y arrive parce que pour le coup, si on a 10 pièces d'or, on est quand même très tranquille pour les temps à venir, quoi. Ouais. Peut-être retrouver 200 au hasard. Clairement. Alors, du coup, vous continuez de manger en vous disant que il faudra pas trop tarder pour rejoindre l'entrepôt. Vous entendez que ça commence à s'agiter un petit peu autour de vous. Il y a un type qui s'est levé pour aller vers ce qui semblerait être les toilettes. Et au passage, il semble avoir un petit peu bousculé donc l'espèce d'armoire à glace en armure qui est à côté, qui était tout seul à sa table en train de manger à côté des ménestrels. Et ça sent. Alors les choses semblent aller très vite. Mais rapidement, l'espèce d'armoire à glace chope le type par le col, il le balance sur la chaise à côté et commence à le tabasser, tandis qu'à côté, il y a le frangin de celui qui s'est levé pour aller pisser, qui semble également se lever pour se foutre dans la baston. Ça a l'air de partir assez vite. C'est le moment de partir sans payer. Ça a l'air de partir assez vite, vous en voyez un autre là qui se lève pour hurler. À côté, t'en as un qui commence à gueuler sur un autre. J'ai bien vu que vous essayez de m'avoir, que vous essayez de m'arnaquer et tout. Et il commence également à se foutre sur la gueule. Tandis qu'une dame là essaye de s'enfuir gentiment, sans trop se faire remarquer. Ça commence à devenir un bordel monstre dans la taverne qui, en fait, semble plutôt bien tenir son nom du bourdon cogneur. Eh, vous avez vu, il faut aussi des bières, mais à la bouteille à emporter. C'est vraiment pas mal. Je ne fais absolument pas attention à ce qui se passe. Alors, c'est normal, qui a envoyé valser, qui renverse un peu le nain. Eh, moi ça va, mais fais gaffe à ma bière, par contre. Je pense que Maya a raison. Ne nous attardons pas trop. Je pense que là, c'est un signe. Hein. Clairement, il est temps d'y aller. Mais non, c'est une auberge. C'est normal, ça brasse un peu. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que le temps nous est compté et que, dans le pire des cas, ta bière, elle a une poignée, donc tu peux l'amener avec toi. C'est pas faux. Ah, dis donc, je savais pas que le bras, il pouvait se tordre dans ce sens-là. Vous remarquez au passage que les gardes qui sont là voient ce qui se passe, mais n'interviennent absolument pas. Ils restent à leur place, et s'il y en a un qui s'approche trop, ils posent juste la main sur l'épée en regardant le type, et puis après, ils reprennent leur discussion. À vous envoyer un qui commence à vouloir sortir une dague, et il y a le patron qui sort un marteau, qui tape sur son bar,
et qui montre un écriteau juste au-dessus qui dit pas d'armes dans les bastons. Ah oui, d'accord, c'est pas pour la baston qu'il veut arrêter, c'est éviter qu'il y ait un suicide, hein, a priori, parce que les dagues ça sert à ça. Voilà, exactement. Et par contre, il vous voit commencer à partir et le patron s'approche de vous en disant oui, par contre, oui, je comprends que l'ambiance vous déplaise légèrement, mais faudrait régler tout de même. Je réfléchis pas, je paye. Moi je suis déjà parti, hein. Je suis loin. Tu payes pour tout le monde. Vous reviendrez pour la nuit ? Non, pour la nuit c'est bon. On va dormir à l'extérieur finalement. D'accord, très bien. Dans c'est pas de votre faute, vous en faites pas. Ah non, mais y a pas de souci. J'ai un peu de mal à vous entendre. Oui. Ça fera 2 pièces d'argent pour le repas et les boissons. 2 pièces de cuivre ? On a du mal à vous entendre nous aussi. Argent ! Très bien, tenez mon brave. Il te sort 2 pièces d'argent de sa sacoche, puis il dit 2 comme ça. 2 comme ça. Oui, très bien, 2 comme ça. Je paye et on y va. Ok, ça marche. Et bonne soirée, merci d'être passé. Oui. Bonne soirée vous aussi. Avant de partir, je vole la cuillère. Je vole la cuillère de mon ragoût. C'est un jet de discrétion. Ouais. Maya, t'as de la concurrence niveau vol. 11, ça va. Alors attends, je vais faire un jet opposé. Merde, j'ai fait tomber le dé. En même temps, discrétion, tu dois avoir des bonus là, vu l'ambiance. T'as quelques bonus. Il est occupé à réfrimer la dame qui est en train d'essayer de partir sans payer, en train de lui dire « Eh, faut payer !» Et t'arrives à choper la cuillère et à te barrer avec. Le butin de guerre. On sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'une cuillère. Hein. Ah bah. Exactement. Si on crochette une porte avec, on aura l'air fin. Hein. Ah, nous voici dehors. Et on entend toujours la baston. Et ah non, c'est bon. Vous êtes ressorti donc de l'auberge. Vous êtes dans une ville qui commence à être beaucoup plus calme, vu que maintenant on approche de la nuit tombée. Vous êtes dans la zone du quartier 10, hein, voilà. C'est ça. Vous êtes là et il faut que vous traversiez la ville pour aller au dock. Je vous fais pas faire la traversée, c'est assez rapide, hein, voilà. Téléportation. Non, ça n'existe pas la téléportation. Enfin, ça existe, mais vous avez pas le niveau. vous arrivez assez rapidement à l'entrepôt. Vous arrivez en bas de la map, sur les docks, sur les bords de l'eau, et vous voyez Bryn, donc, qui était devant sa petite cabane à attendre que vous arriviez. Donc Bryn, qui pour la description, pour l'information de Kratel et Mibi, est un petit gnome. Petit n'est pas un pléonasme dans son cas, hein, puisqu'il est vraiment plus petit que la moyenne des gnomes. Pour autant, il est très bien habillé, avec des petites lunettes. Il a une redingote qui est boutonnée jusqu'en haut, vraiment l'air très très sérieux, avec une tresse au bout qui est une tresse au niveau des cheveux, les cheveux tirés. Il a un air plutôt sévère et il a l'air de vous attendre en tapotant un peu du pied et en regardant un petit peu ce qui semble être une sorte de petite clepsydre pour vérifier l'heure qu'il est. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Ah, vous voilà, enfin. Bien, alors, pardon ? On a ramené des copains. Ah oui, je vois. Donc c'est cet homme-là, le fameux enquêteur dont vous m'avez parlé ? Tout à fait. Ah oh. Ok, ouais, très bien. On a de l'incitation. Le beau Khajiit, il y a un Khajiit sauvage qui apparaît. Ah, il y a un chat qui passe, j'aime pas les chats. Psst. Allez, hop. Bon, alors, je plaisante, hein, Mayal, moi je les aime bien. Oh. Pour la côté, mais heureusement. Alors, bien, bon, vous voyez donc, ma petite cabane, moi je vais la fermer. Vous avez l'entrepôt qui est juste derrière, donc vous voyez c'est le grand bâtiment qui est derrière qui dénote un petit peu avec les autres bâtiments du quartier, parce que la plupart des bâtiments sont fabriqués en bois, lui il est fabriqué en pierre, donc quelque chose de beaucoup plus solide et massif. Vous voyez, donc il vous informe, alors il y a 3 portes, hein, voyez-vous, donc il y en a une au sud, une au nord, une à l'ouest
Et vous avez une petite annexe à l'est qui a également une porte. Bon, là-bas, c'est que du grain, donc bon, c'est pas trop grave si vous la surveillez pas. L'essentiel, c'est le grand entrepôt. Donc, veillez à bien surveiller le grand entrepôt et surtout ses trois entrées. Ok. Est-ce qu'il y a eu une activité louche ce soir? Est-ce que vous avez eu des rapports comme quoi il y avait peut-être de la circulation des gens un peu étranges qui auraient pu être déjà sur place? Non, l'instant, rien de ce genre. Le service des gars s'est plutôt bien fini, à part un type qui s'est un peu coincé un doigt sous une caisse, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Du coup, moi je vous laisse, il va falloir que je rentre chez moi, donc je vous laisse ici. Alors juste, petite information, je vous donne la clé quand même de l'entrepôt au cas où, hein. Mais attention, n'entrez dans l'entrepôt que si vous y êtes forcé, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est rentré. Sinon, vous avez interdiction formelle d'entrer dans l'entrepôt, d'accord? Et comment on saura s'il y est entré si on ne regarde pas à l'intérieur de l'entrepôt et donc on n'y rentre pas? Eh bah faites votre boulot de surveillant et vous aurez pas à aller voir dedans. Cette logique ne me plaît pas, mais ok. Bon, et oui, alors si vous en venez à rentrer dans l'entrepôt, vous serez gentil de ne pas toucher à ce qu'il y a dans l'entrepôt. Pourquoi vous avez quel type de cargaison qui serait susceptible d'être volée à l'intérieur? Je le trouve bien, bien curieux. Cela ne vous regarde pas. Vous êtes ici juste pour surveiller que personne ne rentre, d'accord? Et si quelqu'un sort? Eh bah, ben, parce qu'il est rentré avant, donc c'est qu'on n'a pas fait notre boulot. Je pense que monsieur doit aller à l'intérieur de l'entrepôt. Mais votre camarade est d'assez mauvaise foi. Hein. Bon, allez. Moi, j'y vais. Moi j'y vais, je vous laisse la clé, voilà, débrouillez-vous. Donc pour cette tâche-là, juste au passage, je vous règle la moitié avant et la moitié après si le boulot est bien fait, ça vous va? Vous revenez vers quelle heure du coup demain matin? Eh bien j'arrive à la première heure, hein, donc au premier rayon du soleil à peu près. Très bien. Donc, on a une rémunération de 4 pièces d'or pour le groupe. Donc, je vous en donne 2 dès maintenant et vous en aurez 2 autres à la fin de la nuit s'il n'y a pas eu de soucis, d'accord? Ou s'il n'y a rien eu de volé, en tout cas. Si vous chopez le voleur, vous aurez peut-être une prime. Oh. Nous mettrons du cœur à l'ouvrage. Bien. Très bien, très bien. Mais j'aime entendre ce genre de phrase. Moi, je vous laisse. Ah. Allez, poussez-vous. Pardon? Poussez-vous, bougre d'animal. Ah, c'est pas possible. Il va me faire tomber. Allez, au revoir. Il est fort pour un gnome. Il est bizarre, ce gnome. Ouais. Et bon. Du coup, il vous laisse là, comme deux ronds de flanc, au bord des quais. Bon. Et au bord de... Et ben, on va partir en reconnaissance. On va aller essayer de regarder s'il y a des trucs marqués sur les murs. Oui, il vaut mieux faire concours pour commencer. Est-ce qu'on se sépare et on se rejoint de l'autre côté ou... Je pense que 2 groupes de 2 pour faire le tour de chaque côté, pour ensuite refaire le tour de chaque côté à l'inverse, histoire de vérifier doublement à chaque fois. Ça me va. Et quand est-ce qu'on dort en fait? On va prendre des tours de garde. Je pense qu'on dort pas. Hein. Ouais. C'est trop si, je pense qu'une personne à la fois peut dormir, on fait des séquences de 2 heures, quelque chose comme ça. On n'est pas payé pour dormir, on est payé pour avoir les yeux ouverts. C'est nul le travail. Justement. Oui, mais c'est un travail d'équipe. Donc on peut travailler en équipe, éventuellement. Voilà. Genre, on reste tous réveillés et on travaille. ça veut dire travail d'équipe. On peut ne pas dormir, on peut ne pas dormir. Hein. Le premier qui dort, je lui fais les poches. Ah, ça motive, hein, tout de suite. Moi, c'est clairement, je ne vais pas dormir. C'est immense cet entrepôt, en fait. Je sais pas si 4, c'est suffisant. Bon, moi, je pars par là. Ah, parlez-toi. C'est un toit. Alors... C'est... Oui. Là, t'es sur un toit, là, Mayal. Là, t'es sur un toit, là, Mayal. Donc, J'ai la vue qui baisse avec l'âge. Ah, bah, ça va être pratique, ça, pour surveiller. Alors, si ta vue baisse à ce point, là, je crois que tu t'es mangé le mur. Ouais, c'est le squelette de bon marché. Bon, on va donc voilà, si vous faites le tour du bâtiment, je vous invite à le faire déjà pour repérer les environs vous-même.
Et je vais vous demander de me faire chacun un test de perception afin de voir ce que vous trouvez ou pas. Alors, Kratel, toi, tu repères que ici, il s'agit de l'entrée de l'ouest. Donc, c'est une plus petite porte. C'est des portes à double battant qui sont au nord et au sud. Et donc, à l'ouest, c'est une simple porte. Ça marche. Je suis vraiment trop dur. J'ai fait 17. Alors, j'ai fait 15, mais plus 2, donc 17. Si jamais il s'agit de repérer des irrégularités dans les constructions en pierre, comme des pièges ou des portes cachées dans les murs ou les sols en pierre. Alors ça s'applique là parce qu'il s'agit de la pierre, ouais. Donc tu peux l'afficher pour, en tout cas pour ce qui est de chercher des symboles sur le bâtiment. Bon, il y a eu du délai, donc du coup j'ai fait double jet, mais le premier était à 28. Oh la vache. 8. Ah, c'est bien, faut le dire avec conviction. Je regarde complètement à l'opposé. En faisant le tour, vous faites le tour donc de ce bâtiment. Donc de votre côté, Mayal et Eldebaf, par là où vous êtes passés, vous voyez qu'il y a des gens qui dorment un petit peu dans la rue, hein, qui dorment dehors. Ce sont des sans-abri, très clairement. Là, vous avez la petite extension dont il a parlé, qui n'est pas en pierre, qui est en bois, elle. Et, en fait, t'avais raison, c'est bien 19. Bon, excuse-moi, je viens de revérifier, c'est bien 19. C'est bien 19, d'accord, ok. Ouais, et puis l'autre entrée qui est ici. Du coup, que ce soit donc c'est Kratel ou Eldebaf, vous avez réussi à repérer effectivement un petit symbole qui est vraiment très discret à la base du bâtiment, à la base de la pierre gravée dedans, côté nord. Un petit symbole aussi qui met encore une fois un losange avec un cercle en son centre, et cette fois-ci ce n'est pas une flèche, mais il y a une sorte de petit carré avec une croix dedans. Okay. Est-ce que c'est le même qu'il y avait sur la milice ? Non, la milice, je crois que c'était encore autre chose. Sur la milice, effectivement, c'était encore autre chose. Okay. Donc là, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais potentiellement une croix, enfin un carré avec une croix dedans, ça fait un peu comme une cible. Finalement. On n'a pas la nomenclature de toute façon de leur symbole, mais ça veut dire que les abeilles de Jorica sont effectivement passées dans le coin. Donc nous avions raison, il y a coïncidence. Bon, bah va falloir surveiller, hein.